Selon Mario Andretti, Greg Maffei fait tout pour écarter son fils Michael de la Formule 1. Selon Mario, ça s'est produit au cours d'une réception au petit-déjeuner. L'Américain discutait avec le PDG de la Formule 1, Dominic Ali, de sa visite à Washington où il avait été invité à s'exprimer devant le Capitole au sujet de la 11e équipe. On m'a demandé d'aller là-bas et juste au moment où j'essayais d'expliquer ça à Stefano, Greg Maffei a interrompu la conversation. Il a dit: Mario, je veux te dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Michael n'entre jamais en Formule 1. Oh là là, mais. Si c'est vrai, c'est waouh! Je n'arrivais pas à y croire. Ça m'a vraiment bouleversé. Nous parlons d'affaires. Je savais pas que c'était quelque chose de si personnel. C'était vraiment, oh mon Dieu, j'arrivais pas à y croire. C'est comme une balle dans mon cœur. Andretti s'est rapproché de Greg au petit déjeuner pour avoir une discussion avec lui. La source ajoute que Maffei lui a dit que l'offre d'Andretti avait été rejetée pour des raisons commerciales. Mais selon Andretti, c'est pas vrai. C'est pas moi qui ai entamé la conversation. La situation s'envenime. Le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce sont maintenant également appelés à se pencher sur la situation. Selon Andretti, les choses sont claires. Nous apportons quelque chose de valeur. C'est un gros investissement dans le sport que nous aimons, ou le sport que notre qui est notre travail, notre passion, un engagement à long terme. Nous avons fait tout ce qui doit être accompli, nous avons fait tout ce qui doit être accompli pour gagner une place en F1. Que voulez-vous que nous fassions d'autre? Eh ben oui, c'est sûr, on est d'accord. Mais là, si c'est quelque chose de personnel, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre Greg Maffei et Michael Andretti pour que ça en vienne là, en fait? On peut se poser la question. Là, c'est waouh. Bon, alors, en admettant évidemment que ce que dit Mario Andretti est vrai, hein, mais bon, je pense pas qu'il mente sur ça, ce serait très grave quand même, la diffamation, etc. Mais bon, quel est votre avis, vous?